sommes en présence de Pouyou, donc je vais te poser quelques questions. D'où t'es venue l'idée de créer des vidéos comme ça et dans quel but ? Bah en fait, à l'origine, c'était pour la, je faisais des chroniques radio dans une radio associative à Toulouse qui s'appelle Radio FMR. Et en gros, j'ai un collègue qui me dit tiens, tu viens dans mon émission cette année. Je lui fais d'accord, je fais une chronique. Et c'est quand j'ai eu le nom de la chronique, donc je m'appelle Pouyou. Quand j'ai eu l'expression et mon cul c'est du Pouyou, je fais putain, je vais parler de sexe. Ça fait un moment que j'ai envie de parler de sexe à la radio. Et donc voilà. Et j'ai commencé à faire ça comme ça. Puis je suis tombé en amitié avec Dani Caligula là, qui est par là derrière, qui fait une émission qui s'appelle Doc. Ça, c'est de la vulgarisation de philosophie et de sciences humaines. Et donc, il m'a dit mais pourquoi tu fais pas ces chroniques sur YouTube ? Et voilà. Des vidéos, des romans, du théâtre, de la radio, des cours. Où trouves-tu le temps de faire tout ça ? C'est ton unique occupation. Là, tu vois, je suis en congé. Et pendant mes 15 jours de congé, je fais 2 conventions, 3 conférences, un atelier d'écriture, une rencontre par l'oncle, etc. Voilà, c'est mon loisir, c'est mon temps libre et je passe tout mon temps là-dessus. Mais même, en fait, si tu veux, carrément, c'est que je vais soit bosser un an et puis ensuite, pendant un an de chômage, prendre le temps de créer, de travailler ces projets-là ou travailler à mi-temps. Là, actuellement, je travaille 26 heures semaine et le reste du temps, ben, je fais ça. Et donc voilà, je peine à avoir une vie sociale, c'est juste ça. Mais après, voilà, c'est le but, quoi, de faire ces choses-là. Tu es un grand défenseur du libre en mettant toutes tes œuvres en Creative Commons. Un artiste n'a-t-il pas besoin de sauvegarder ses droits pour vivre de son art ? En fait, le droit d'auteur ne nourrit pas les artistes. Hein. Il faut bien se rendre compte que seule une infime minorité, donc suivant l'art dont tu parles, la littérature, la musique, etc., tu vas avoir à peu près 5 à 10% des artistes qui vont toucher un SMIC ou plus de leurs droits. Donc 90 à 95%, l'immense majorité, ne vivent pas des droits d'auteur. Et c'est normal, le droit d'auteur n'a pas été fait pour nourrir les créateurs et les créatrices. Il a été fait pour une chaîne de distribution d'objets culturels. Au départ, c'était fait pour distribuer du livre, donc pour l'imprimer, enfin l'éditer, l'imprimer et le distribuer en librairie. Et puis ensuite, ça a été le CD, le DVD, etc. Donc voilà, donc non, un artiste n'a pas besoin de ça. Et moi, mes bouquins, là, tu vois, j'ai des romans, j'ai un éditeur, Framabook, d'accord. Mes romans sont dans le domaine public. Toi, tu peux les éditer et les vendre sans rien me donner. Mais comme cet éditeur, il a voulu bosser avec moi, ben, je touche 15% sur la vente de ses romans. C'est un meilleur contrat qu'Amélie Nothomb. Un auteur pas connu touche 5 à 7%, un auteur connu touche 12%, moi je touche 15%. D'accord ? C'est juste parce que j'ai un auteur éthique qui veut bosser avec moi et qui sait qu'il n'est pas obligé parce que je peux aller chez n'importe quel éditeur. Je n'ai aucune exclusivité vu que mes droits sont libres. Tu n'as aucun tabou dans tes vidéos, tu n'as jamais eu de problème de censure ou de plainte. En fait, si tu veux, l'idée c'est de défaire le côté tabou de la chose, de l'objet du tabou. Je sais pas, imaginons que le stylo devienne tabou. Voilà. Eh bien, c'est pas mon but, c'est pas de parler du stylo. Mon but, c'est de montrer que le stylo et le tabou sont deux choses différentes et que c'est juste qu'on a mis un interdit sur le stylo. Tu vois. Et donc le fait de dire vulve, prostate, sein, auréole, cunnilingus, anulingus. Enfin voilà, le fait de parler de ça, de dire que quand on bouffe un cul, il peut y avoir un poil qui se colle entre les dents. Tu vois. Voilà. Ben ouais, mais juste le fait de le dire normalement, sereinement, c'est pas. Enfin voilà, c'est exactement comme si tu mets trop de farine dans ta pâte brisée, à un moment donné, elle va être sèche, quoi. Bah, c'est la même chose. Je viens de parler de 2 recettes de cuisine. Il y en a une qui se joue avec les corps, il y en a une qui se joue avec la nourriture. C'est la même chose. Et j'enlève juste le tabou là-dedans et c'est ça qui m'intéresse. Je veux dire, ma première pièce de théâtre était une comédie sur le deuil, la mort et le suicide. Là aussi, je voulais travailler sur un tabou et le travailler par la comédie. Les youtubeurs ont-ils une responsabilité dans leurs propos ? Le fait que tes vidéos fassent plusieurs dizaines de milliers de vues n'impose pas une sorte de responsabilité ? Le fait que tes vidéos soient dans le domaine public, donc modifiables, change-t-il quelque chose ? Certains l'ont déjà fait. Alors, c'est 2 questions. La responsabilité, clairement, non. Non, non. Je n'ai pas de responsabilité et tu sais pourquoi ? Parce que je ne suis pas exactement responsable de ce qui sort dans mes œuvres. Ça, c'est vraiment pour moi le processus inspiratif, d'inspiration et de création. Clairement, pour moi, en fait, j'essaie que ça s'écrive le mieux possible, j'essaie que ça se joue le mieux possible, mais au final, je suis juste un artisan et je fais du moins pire que je peux.
Mais quand c'est juste, c'est que c'est comme ça. Et c'est, si c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est l'œuvre qui décide de ce qu'elle veut être, c'est pas moi qui décide. À partir de là, je peux pas me sentir responsable. Et quand bien même il y a un grand public qui écoute, etc., là, on va être plus dans un niveau de la production, c'est-à-dire pas au niveau de la création quand tu l'as fait, mais quand tu le produis, c'est-à-dire quand tu finis l'objet, quand tu édites ton livre ou quand tu montes ta vidéo, où là tu peux sentir une responsabilité, tu peux essayer de modifier d'altermoyer. Mais quand bien même, non, il n'y a pas de responsabilité qui tienne, tu proposes des choses et si ça n'est pas bon ou si ça choque ou si ça ne va pas, mais la sanction, c'est le public, c'est le monde qui le donne à ton œuvre. Donc qu'est-ce que tu as besoin d'être responsable là-dessus? Je pense qu'il faut vraiment arrêter là-dessus. Après, le fait que ce soit dans le domaine public aussi, oui, ça permet de dire clairement que je sais que mes œuvres sont améliorables. Je sais que je fais juste une proposition et que, en plus, c'est peut-être une bonne proposition maintenant, mais que quand on avancera, parce que notre intelligence collective et commune avance, quand on avancera, bah, ça avancera avec nous et mes œuvres vont devenir surannées, quoi, vieilles. Et du coup, tu pourras, toi, apporter ta pierre, l'échanger, les modifier. Donc voilà, donc si ça n'est pas suffisant, si même en ayant fait de mon mieux, je n'ai pas réussi, en partant, fais-en quelque chose. Adapte-les, change-les, t'as le texte, t'as les vidéos, démerde-toi, c'est à toi. Ah, pardon, oui, est-ce que c'est déjà arrivé? J'ai eu déjà des YouTube poops, par exemple, des montages. J'ai eu des gens qui ont modifié, mais d'autres œuvres, des romans et Le Guide du Connard Professionnel, qui est un roman BD. J'ai eu des modifications, bien sûr. Voilà. Et sur Raymond Cus et du Pouillou, il y a eu des personnes sur Twitter qui voulaient vraiment troller, notamment la vidéo sur La Femme et sa journée, qui ont voulu vraiment troller ça. Et donc, ils ont live tweeté leur visionnage de la vidéo avec des critiques et des réinterprétations de ça. Et en fait, leur réinterprétation était tellement éloignée de mon intention et elle me prêtait des intentions. C'était formidable. C'est très, très beau de voir comment leur regard, avec tout ce qu'elle me présupposait comme intention, avait transformé l'œuvre, mais du tout au tout. Et pour moi, ça n'a pas été des insultes. Elles ont recréé la vidéo par leur live tweet. Et vraiment, j'ai trouvé ça mais du très très beau parce que ça n'était plus la même chose. C'était magnifique, quoi. Pourquoi ne pas jouer la co-organisation de tes vidéos avec un sexologue? Parce que je veux surtout pas que ces vidéos soient des vidéos de spécialistes. J'essaie, je me renseigne, je lis, je recherche, je machin, quand même, je suis pas con. Mais j'essaie de pas trop le faire. De pas trop lire de livres scientifiques, d'études, de machin. Je préfère même des articles, plusieurs articles sur la même étude. Tu vois, qui vont donner plusieurs angles. Et puis des journalistes sérieux quand même, parce que si c'est un article de Vice.com ou de Marie-Claire sur ah, les scientifiques ont des... Marie-Claire, j'ai fait moyennement confiance, quoi. Elle est gentille, mais ça va, quoi. Pas très scientifique, la nana, malheureusement. Et donc voilà, mais j'essaie de peu me renseigner pour rester vraiment dans ce positionnement de je suis pas un spécialiste, je suis juste quelqu'un qui aime ça, qui aime parler, et donc j'ai envie d'échanger et d'ouvrir la parole. Voilà. Et donc je vais beaucoup plus parler d'expérience personnelle, de ressenti, de subjective. Je suis dans de la chronique subjective. Et je ne cherche aucune légitimité. Je ne veux pas en avoir. Voilà. Je ne suis pas plus légitime que toi, que quiconque pour parler de sexe. Chacun et chacune peut parler de sexe. Même des personnes. Alors ça, souvent on me le dit. En plus, ah ouais, mais moi, je n'ai pas eu d'expérience sexuelle, etc. Mais t'as peut-être déjà de l'auto-érotisme. T'as peut-être déjà des fantasmes. Tu peux parler de sexe à ton niveau. Voilà. Pour finir, c'est quoi cette histoire de capote équitable, hein? Donc. Je suis obligé de mettre la pub. Enfin, je suis obligé de mettre la pub sur YouTube parce que sinon Google sous-référence les vidéos. Et moi, le but, c'est que le message passe auprès d'un maximum de monde. Donc, Google fait en sorte qu'on joue son jeu. Hein, c'est des vendeurs de pub, ils sont là pour ça. Je trouve que la pub est une pollution intellectuelle, économique et informatique. Donc, l'argent de la pub est pour moi un peu sale. J'ai pas envie de le gagner, même si vraiment je gagne très très peu d'argent dans ma vie. J'ai pas envie de le toucher, cet argent-là. Et donc, je me suis dit, on va en faire quelque chose de joli. Il y a de l'argent, on va en faire quelque chose de joli. Et donc, je me suis dit, tiens, on va distribuer des capotes gratuites. Problème, c'est que je touche genre 15 à 20 dollars d'argent de la pub par mois. Hein, voilà. Et donc, j'ai dit aux gens, voilà, je lance le truc, mais est-ce que vous voulez, on fait un pot commun, un panier commun, et puis qui peut donne, et puis on va faire des capotes ensemble. Et
grâce notamment aux dons et un petit peu à l'argent de la pub, on a pu faire 1000 capotes. Et je voulais pas des préservatifs gratuits tout pourris de base. Voilà, je voulais des trucs où ça prenne un peu soin. Donc j'ai trouvé la marque Fair Square, qui est génial. Le latex est issu du commerce équitable, le lubrifiant sur le préservatif est certifié sans parabènes. Et donc voilà, c'est juste dire, c'est bien d'avoir des préservatifs gratuits, mais on va quand même en profiter pour prendre soin de nos queues, de nos culs, voilà, c'est important. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et une très bonne journée. Merci à vous. Merci.